commune d'Indévagar, ABM, de l'eau potable pour tous. Avec l'appui financier de l'association Amitié Bretagne-Madagascar ou ABM, deux fouquetins de la commune d'Anzévagar viennent de se faire doter de systèmes d'adduction d'eau potable, dont 13 bornes fontaines et lavements au fouquetin de Kadjefadjour et 11 autres au fouquetin d'Ambatfoulak. À ce jour, il ne reste plus que 2 fouquetins sur 10 de cette commune à ne pas avoir d'eau potable si ce rapport était inversé avant 2015. Ces infrastructures ont été inaugurées cette semaine. Alors, dans le cadre de notre association Amitié Madagascar-Bretagne, ça fait maintenant quelques années que l'on travaille sur Anzévagar. Ce sont un petit peu les événements hein, qui nous ont conduits. L'histoire, en fait, nourrit l'histoire. Et dans notre stratégie, on fait valoir donc le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Lorsqu'on parle d'accès à l'eau et à l'assainissement, ça représente des investissements en infrastructures qui sont conséquents. Et ça suppose donc que les moyens que l'on met en œuvre aboutissent à la réalisation et que l'objet de ces réalisations-là soit respecté. En conséquence de quoi, il nous faut avoir des partenaires fiables et sur Anzévagar, c'est le cas. Sur d'autres endroits sur lesquels on intervient également à Madagascar. On est à la recherche de fiabilité, de confiance, de transparence dans nos actions. Ici, c'est particulièrement vrai. On n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. Et on a la chance d'avoir, en la personne de Hadj, un maire qui mesure les enjeux et qui mesure les enjeux pour ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire d'être capable de répondre à la population et de respecter cet engagement. On le constate ce matin, et notamment au travers des discours qui se sont succédés. Notre préoccupation, ce sont les personnes, la population de base, les paysans, et c'est pour eux que l'on travaille. Donc derrière cette réalité-là, c'est quand même des conditions de vie qui s'améliorent. On pense notamment aux femmes qui jusque-là étaient contraintes de faire de nombreuses heures à déplacer, à aller venir chercher de l'eau, à qui on facilite la vie. L'inauguration de ces infrastructures a été suivie de la signature de conventions de partenariat entre la commune d'Anzévagar et Amitié Bretagne-Madagascar. Les perspectives d'avenir sont jugées excellentes dans la mesure où les deux parties ont démontré leur engagement mutuel dans la pérennité de leur collaboration.